Oh, j'ai entendu 9, bravo Charlie 555. Ah, c'est bon ça. Breakover. Breakover. Affirmatif, là je démarre juste du QRA, je suis sur la route du Pro, là pour aller sur Saint-Émilion. Les 73 à toi, le petit renard, ainsi qu'Agine, bravo Charlie 555 que j'entends derrière. Et c'est, oui, voilà. Et le web STR. Les 73-51, attends, voilà, je prends un petit peu d'altitude, ça ira certainement mieux tout à l'heure. Les 73-51, Gilles, putain, mais quand même, là, je pédale au maximum, tu devrais m'entendre. Les 73-51 retournés, ben, je suis bien content de t'avoir en fréquence. Ah oui, oh oui monsieur, ça c'est super, ça c'est super. Et puis là il y a du monde qui doit t'entendre, là qui t'entend en même temps là sur le web SDR, tu vois lequel je veux parler. Ça passe à donf, ça passe à fond là dedans. Ben surtout que ouais, il y a un peu de QRM, ben ça oui, et encore j'en ai éliminé cette nuit des QRM. Là vu que ce soir je suis au travail en nuit, je me suis donc décalé la nuit précédente. Et la principale source de QRM que j'avais chez moi venait directement de l'alimentation du micro du nano ordinateur qu'il y a derrière. C'est les petits blocs d'alimentation là, qu'on met dans les prises de courant. Voilà, c'était ça ma principale cause de QRM. Mais bon, ça n'a enlevé une bonne partie. Il en reste encore. Je verrai bien ça. De toute façon, c'est pas totalement fini au niveau d'installation. Puisque je compte déménager là, toute la station WebSDR dans un placard. Que ça soit rangé, parce que là, c'est le gros bordel. QSL, et heureusement que j'ai été aidé par un OM, enfin par quelques OM, parce que là tout seul je serais pas arrivé à le mettre en place. Alors eux
sont rentrés dans le système depuis chez eux, comme ça, à distance. ils ont pris la main dessus, tac, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et c'était pas gagné au début, hein. C'était pas gagné quand il y avait un problème de compatibilité matérielle. Je suis en train de passer dans un trou, hein. Là tu dois me recevoir beaucoup moins fort. Et c'est vrai que là en ce moment, putain la vache, qu'est-ce que c'est compliqué pour être en fréquence. Au secours, au secours, au secours. Putain, vivement, j'allais dire vivement la retraite que j'ai du temps libre. Mais quand j'écoute les retraités, ils ont encore moins de temps libre que quand ils travaillaient, quoi. Alors là il y a un truc qui m'échappe. Non mais c'est vrai qu'en ce moment, la vache, je le vois bien, hein, j'ai énormément de mal à aller prendre le micro. Hein. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que ben voilà, le temps libre s'est réduit tellement à bout de chagrin que c'est compliqué, quoi. Et là, j'ai vraiment de la chance de t'avoir en fréquence parce que précédemment, à cette heure-ci, soit tu n'y es pas, soit c'est la propag qui a tourné ailleurs. Je suis sur la route du travail là je m'en vais là, du côté de Saint-Émilion, et c'est vrai que là ça me fait bien plaisir là, ça me manquait vraiment là, de pas pouvoir être en fréquence, et là ça y est, et en plus en mobile, c'était pas beau ça. C'est vrai qu'en mobile ça a un autre charme, c'est plus QRO, c'est différent. T'es pas coincé devant un bureau, tu navigues et tout ça, tu profites du paysage, voilà quoi, c'est comme dirait l'autre, au fil de la route. Oh toi, t'es en directive, ça se voit, parce que j'ai un petit peu de mal. Je t'entends, mais bon, je t'entends par l'arrière là. Je t'entends par le cul là, pour le coup là. Et la vue est pas top. J'ai du mal à t'écouter là. Mais c'est pas bon là, par le cul, c'est mieux par le devant, Rémi. Là, tu m'écoutes par le devant. Ah oui, là c'est mieux. Ah, j'ai entendu quelqu'un là entre deux reprises de micro, j'ai repris trop vite. Ouais, j'ai entendu quelqu'un là derrière. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Ouais, j'ai l'impression que la propag a dû tourner. Ouais. À tous les coups, la propag a dû tourner d'un seul coup. Parce que bon, c'est pas son style à Gilles, hein, de partir comme ça, quoi. Ah oui, il est déçu à 30 chez nous, du coup, on s'appelle Copagam, côté Québec. Ah oui, tiens, j'ai quelqu'un. Oh zut, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai eu un OM là, par ailleurs, du Québec. Chez lui, aujourd'hui, c'était moins 12, quelque chose comme ça. Oh, il doit être vachement. L'OM doit être vachement vers le nord du Québec, hein. Il y a de bonnes chances. Hein. Et moi, là, au QRA, là, 21 degrés cet après-midi, là. Putain la vache, c'est pour la saison, ça fait bizarre.
Oui, je confirme, on a 27 degrés hier, pareil, hein. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Pour un 14 février, c'est un plein hiver, dur, dur. Hein. Oui, moins de nos, côté Québec, plein nord, 100 mètres en retard. Il avait moins 8, tu vois, côté Québec aujourd'hui. Moins 8, d'accord, 8. Quand même. Ah, quand même, moins 8, à la vache. D'accord, je pensais plus que ça, vu comment c'est chez nous, je m'attendais que de son côté, ça serait un peu plus haut. Il a eu l'escargot qui est rentré dans sa coquille, hachi. Oui, c'est ça, madame, c'est pas contente. Ah, tu m'étonnes, pour le coup, madame, elle a dû attraper le tire-bouchon pour la ressortir de là. Ah là 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 là, tiens, voilà, je suis en train, là, je suis dans cet émilion, enfin, sur les abords. Ah, tu m'étonnes. Ah, putain, par contre, j'attrape un espèce de QRM là derrière. Ah, ouais, là, mais là, c'est sûr que là, c'est royal ici. Hein. Alors, il y a Pomerol qui est pas mal haut aussi. J'ai essayé une année, ça a été un flop complet. Ouais. Je suis vite reparti de Pomerol pour vite revenir du côté de. Pour vite revenir sur Saint-Émilion. Et là, oui, ouais, ouais, c'est sûr que là, c'est un bon QTH hein, pour la radio. Hein. Mais le problème, c'est ici, c'est le stationnement, là, pour le temps de moduler. J'avais bien un repère le long des murailles, avec un point de vue et tout ça. Avant, on pouvait s'y garer. Bon, ils ont mis des poteaux, c'est foutu. Mais bon, c'est vrai que là, ici, la vache, c'est l'un des meilleurs endroits pour moduler, là, sur le secteur. Hein. C'est un bon secteur pour moduler, pour faire la radio. Ouais. Tu te mets entre les rangs de vie, t'as de bons parkings, tu risques rien. Ah, je pourrais, hein. C'est sûr que je pourrais, mais bon, le boulot avant tout. Parce que bon, là quand même, vu mon boulot, un petit peu de sérieux quand même. Et là, tu vois, là je suis passé justement dans la zone, justement que... où je me mettais là pendant un temps, là, il y a quelques années, là où ça passe vraiment bien. Là. Et là, c'est dommage là, que la propague est tournée, parce que Gilles, il m'aura entendu fort, là, pour le coup. Oui, Gilles est parti à l'apéro, préparer les garçons, là, voilà. Ouais, tu t'achètes un bureau, c'est tes millions, là, tu déménages, Rémi, tu serais bien placé. Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, là, la banque me dit « Nana !» C'est horriblement cher là par ici. Hein. C'est l'horreur là ici hein, au niveau prix. Hein. Ils s'en mettent plein les fouilles. Hein. Alors que Saint-Émilion, c'est quoi? C'est qu'un village, rien de plus. Hein. T'enlèves les châteaux qu'il y a autour, Saint-Émilion, c'est plus rien. Hein. Oui, ça, les châteaux, c'est pour rien. Mais les châteaux sont là, alors, comme tu dis, les baraques sont hyper chères. Hein. Ouais, voilà, ah, j'ai cru entendre le bruit derrière en QRP, je sais pas trop, Alpha Tango. Non, mais bon, c'était trop QRP, c'est bon, ça dérange pas. Ouais, non, mais c'est sûr que là, ici, s'il y a bien des endroits à éviter ou à habiter, c'est bien là. Hein. Ah oui. Ouais, mais bon, par contre, pour y habiter, bon, c'est vrai que c'est très cher. Et puis le sous-sol ici, c'est un vrai gruyère. C'est d'ailleurs, j'ai reçu un email m'avertissant de faire attention là, à certains endroits, à un endroit où je vais en particulier, parce que là, il y a eu des gros blocs qui se sont décrochés là aujourd'hui avec les intempéries qu'il y a eu là, ces derniers temps. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est un vrai gruyère en dessous, donc forcément, à un moment donné, ça finit par tomber, quoi. Ah, c'est dangereux, ouais, oui, comme tu dis, c'est gruyère en dessous, les rochers tombent. Comme du côté de la Dordogne, là, les gros rochers qui sont tombés là, depuis la montagne. Ok, Rémi, tu l'as entendu? Non, ça, j'ai pas du tout entendu ça. C'est. Non, attends, je suis en train de croiser des piétonnes. Voilà, ok, non, mais j'ai pas entendu ça.
Par contre, il va falloir que... Attends, il est quelle heure? Ouais, bon. Je vais pas trop tarder. Je vais pas trop tarder à QRT. J'espère que demain après-midi, j'aurai pouvoir... demain, je sais pas si... On verra bien. On verra bien si demain après-midi, j'ai le temps de me mettre en fréquence. C'est pas sûr parce que... alors chez moi, je suis en train de faire un truc pour que quelques amis puissent écouter comment ça passe chez moi. Parce que c'est vrai que je vois des messages sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de propague, il n'y a rien. Les mecs, je leur dis si, il y a de la propague. Elle est là tous les jours et ça passe à fond tous les jours. Et non, c'est pas vrai, il n'y a rien à chaque fois que je vois des réponses. Bon, ben là, maintenant, je peux leur prouver le contraire. Puisque là j'ai un petit truc là de mis en route chez moi, un petit récepteur et le WebSDR. Voilà. Je me suis fait avec l'aide de copains, d'amis, justement, là, un petit WebSDR là au QRA. Et il y en a qui sont en écoute là derrière, là en ce moment on a quelques copains qui sont en écoute derrière, les 7351 eux. Et là ils hallucinent quand ils voient comment ça passe chez moi quoi. C'est ça passe à fond chez moi quand la propague est là. Hein. C'est c'en est même trop. C'en est même trop puisque sur le truc ça on voit que c'est saturé de partout quoi. C'est ça rentre trop dedans même. Allez, ce coup-ci, il faut... Ouais, voilà, je suis en train de regarder l'heure. 18h37. Va falloir que je me remette en route. Là, je me suis arrêté, là. Va falloir que je me remette en route. Les 1351, Christian, ainsi que station stand-by derrière. 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, en mobile arrêté sur Saint-Émilion. Et bonne soirée, à plus. Salut, 7351 Rémi, bonne soirée, bon courage à toi, bon boulot. Kilomac, j'ai entendu. Ouais, 14 kilomac, une grecquelle. Thank you.
Oui, quand je suis rendu au travail, c'est compliqué là pour la radio. Faut vraiment que ça passe très fort. J'aurais dû faire routier, comme ça j'aurais pu. Je pourrais être en fréquence tous les jours. Allez, 73-51 à tous, et bon QSO, loco comme DX.